La communauté Ainu Salam, les fidèles venus des coins et recoins du pays et de la diaspora, les autorités religieuses locales et administratives du département de Bindiona et de la région ont revisité la vie et l'œuvre de Cheikh Ousmane Sonntou Badji. L'accent cette année a été mis sur la dimension du Saint-Homme, de sa grande et excellente réputation qui a fait de Sindian une cité religieuse de grande envergure. Je m'appelle Mamoudou Diallo. Ce juillet est une date historique. Une date importante pour la communauté d'Ainu Salam, pour la mouvement islamique. Parce que vous savez que c'est le 6 juillet 1969 que Cheikh Ousmane Sonntou Badji a eu en tout cas à se rendre au Vatican et il a eu à rencontrer le pape Paul VI. Voilà maintenant avec sa rencontre avec le pape, ça a donné naissance au dialogue islamo-chrétien. La communauté chrétienne, surtout après sa rencontre avec le président italien Sandro Pertini, va mettre à la disposition également de la communauté musulmane un terrain à Rome qui va permettre à cette communauté d'édifier pour la première fois une mosquée à Rome. Nanti d'une solide formation et d'une riche expérience, Cheikh Ousmane Sonntou Badji a su mettre sa vaste culture et sa compétence au service des communautés du sud du pays et du reste du monde entier. Et je sais qu'avec les nouveaux qui assurent maintenant la relève, il s'agit d'Abdou Hassan et Abdou Sein. C'est eux aussi, ils sont en train de suivre les traces de leur papa parce que leur ambition aujourd'hui, c'est aussi de réunir, de mobiliser également en tout cas les populations pour la promotion en tout cas de l'agriculture au niveau en tout cas de la région et surtout dans la communauté, dans le département de Bignona. Cette ziara fut un grand moment de dévotion, de recueillement et de retour vers le Seigneur, mais surtout une parfaite occasion pour rappeler à l'État l'urgence de jeter une attention particulière à la zone dite du Founi dans le département de Bignona qui manque presque de tout. Amadi Khalilou Diémé de retour de Sindian pour la radio-télévision Wal Fadjiri.